Donc, je suis au gymnase en compagnie d'une joueuse du juvénile, Joanie Lachance. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le sport du volleyball? Bien, j'adore ça passer, parce que moi, je suis la passeuse, puis j'adore l'esprit d'équipe qu'on a. Puis au niveau de passeuse, tu me parles que c'est ton rôle dans l'équipe. Qu'est-ce que ça fait, une passeuse? Bien, ça pogne toujours la deuxième balle, dans le fond. Puis moi, je suis la capitaine en plus, fait qu'il faut que j'encourage les joueuses, il faut que je garde toujours le meilleur esprit d'équipe qu'on peut avoir, là. Vous avez participé à des qualifications régionales récemment. Vous participez à des régionaux la fin de semaine qui s'en vient. Qu'est-ce qui est le plus fun au niveau des compétitions? Ben, dans le fond, c'est pouvoir se donner au maximum comme on peut. Ensuite, pouvoir affronter des équipes qui sont parfois plus fortes que nous autres. Puis se mettre au défi. Vous êtes dans votre cinquième année, ici quasiment toute la gang ensemble. Comment ça fonctionne dans l'équipe? Est-ce que vous êtes unis? Est-ce que c'est une belle ambiance? Bien, c'est sûr qu'on a une belle ambiance. C'est sûr que quand on va partir l'année prochaine, ça va sûrement nous faire de la peine. Puis ça fait longtemps qu'on joue. La plupart, ça fait environ 4 ans. Mais c'est sûr qu'on a des nouvelles. Puis la plupart, bien, c'est nos amis. Fait qu'ils s'intègrent facilement dans l'équipe, là. Puis votre cheminement à travers le volleyball, bon, il y a du monde qui sont ajoutés, qui sont partis. Il y a eu un certain cheminement. Ouais. Ce serait quoi, le cheminement? Bien, c'est sûr que notre capitaine de l'année passée est en secondaire 5, fait qu'elle est partie. Mais à part ça, on a eu 2-3 nouvelles cette année. Puis, comme je vous ai dit, ils se sont facilement intégrés à l'équipe, là. Puis, bon, au tout début, je te demandais ce que tu aimais le plus au niveau du sport du volleyball. Si on y va à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais le moins? Bien, des fois, c'est que c'est dur de garder, mettons, un bel esprit d'équipe, que faire que ça va toujours bien, parce que c'est sûr que dans chaque sport, il y a tout le temps des moments que ça va moins bien, comme le dernier tournoi, ça s'est un peu moins bien passé, mais on souhaite que ça se passe bien pour le prochain, là. Puis, bon, tout à l'heure, Steve, qui est votre entraîneur, me disait que, bon, c'est une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de leaders, beaucoup de têtes fortes, que souvent, ça pouvait créer des conflits. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de conflit-là? Est-ce que c'est des problèmes? Bien, au début de la saison, c'est sûr qu'on en a eu quelques-uns, mais moi puis Steve, on a énormément travaillé pour essayer de ramener un bel esprit d'équipe puis faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre. Fait que c'est ça. Ici, le volleyball, c'est un sport intérieur. Vous le pratiquez presque toute la saison, toute l'année scolaire. Mais quand arrive à l'été, est-ce que vous le pratiquez aussi à l'extérieur? Bien, cet été, ça va être une première. Steve nous a parlé à moi, Sylvain, Dani, Noémie puis Josiane de faire du beach volleyball, donc dans la plage. Fait que c'est ça, ça va être une première, qu'on va pouvoir se pratiquer. Fait que c'est ça. Puis, en terminant, à un niveau plus personnel, qu'est-ce que tu entrevois faire en quittant le secondaire là, l'année prochaine? Ben moi, je m'en vais en sciences de la nature, fait que c'est sûr que les études, ça va sûrement prendre beaucoup d'importance, mais j'aimerais ça pouvoir faire partie de Limoilou volleyball, puis peut-être aller à l'Université Laval plus tard. Joanie, je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous. Ton rôle dans l'équipe ici au Mont-Sainte-Anne, c'est quoi? Bien, je joue au volleyball, là, puis je ne suis pas vraiment nommée assistante de la capitaine officiellement, mais je trouve que c'est bien d'aider des fois la capitaine parce que c'est vraiment elle qui a le rôle de nous motiver quand on est démotivé, puis c'est vraiment dur comme rôle. Oui, mais ton rôle, il y a des bon, comme un peu des emplois là, au niveau du volleyball, passeur, centre, des choses comme ça, attaquante, donc? Attaquante au centre, puis défenseuse au centre, là. Puis ça, qu'est-ce que ça fait dans une équipe de volleyball? Bien, ça ramasse toutes les balles qui sont au fond. Moi, je m'occupe vraiment du fond de terrain, puis c'est pas mal ça qu'une équipe a besoin. D'habitude, c'est pas mal les libéraux qui viennent aider aussi, mais moi, c'est pas ma position. Vous avez eu les qualifications régionales dans le 2A, puis comment est-ce que tu as trouvé ton expérience là-bas? Bien, moi, j'ai été déçue un peu parce qu'on n'a pas vraiment joué. On n'a pas joué comme on pouvait jouer comme d'habitude parce que, je sais pas, peut-être c'est le stress, le fait que c'était la première fois en 4 ans qu'on se qualifie autant haut, mais j'ai vraiment aimé mon expérience, sauf que j'aurais voulu en donner plus. Pour rappeler à la maison que c'est la première fois qu'il y a du 2A volleyball ici à l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Ici, dans l'équipe de volleyball, Steve me disait qu'il y avait beaucoup de leaders. À ce moment-là, est-ce que ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes à l'interne dans l'équipe? Non, parce qu'il y a aussi des leaders, mais il y a aussi des personnes qui passent pas inaperçues, mais qui sont pas tentées à dire tout. Puis c'est pas vraiment des personnes qui ont genre des gros caractères, mais ça, c'est vraiment le fun parce que c'est comme tout un ensemble, puis ça fait qu'on a une bonne ambiance. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, l'équipe de volleyball devient quasiment comme une seconde famille? Oui, quand même. au niveau des pratiques, qu'est-ce que vous appréciez le plus? C'est quoi qui est le plus plaisant à faire, qui fait que ça vous accroche de continuer de pratiquer?
Mais nous, c'est, on aime beaucoup ça attaquer parce que ça nous défoule. Notre journée après à l'école, on arrive, puis après on attaque sans ballon, c'est ça, c'est défoulant. Aussi, il y a la mise en jeu qu'on aime bien parce que ça développe nos réflexes. Le balle va là, la balle va là, puis après ça va bien. C'est comme on développe nos réflexes nous-mêmes. Puis à un niveau plus personnel, bon, qu'est-ce que tu prévois faire toi l'année prochaine en quittant l'école? Bien, moi, je suis en secondaire 4, fait que je ne quitte pas encore l'école. Je vais être en secondaire 5. Là. Donc, tu es une des dernières à rester. Mon information était mauvaise à ce moment-là. Donc, mais est-ce que tu as quand même une idée de ce qui t'intéresse de faire dans le futur? J'aimerais ça faire du civil en volleyball parce que ça a l'air vraiment intéressant. Faire une équipe vraiment à part d'un interscolaire, puis un peu continuer dans le volleyball parce que j'aimerais ça aller en collégial, là, puis essayer de tenter ma chance. Donc, votre entraîneur m'a dit que vous aviez un défi pour moi. Oui, le défi, ce serait que notre coach t'envoie le ballon et que tu attaques et on va te remonter. On va remonter la balle pour essayer de te battre. Puis si jamais je réussis pas mon défi, la conséquence, ça va être quoi? Tu vas ramasser le filet, tu vas ramasser tout le stock dans le gymnase environ. On y va. Donc, j'ai gagné. Alors, vous allez ramasser. Les filles, je vous remercie beaucoup d'avoir été de passage à Momentum. Merci à vous. Bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, même des suggestions à nous faire, communiquez avec nous grâce à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et si vous avez d'autres questions, communiquez avec nous grâce à la page Facebook de l'émission. Là, Olivier, là, je suis en train de faire la conclusion tout seul. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de pratiquer mes katas pour ressembler à Chuck Norris pour l'émission d'arts martiaux la semaine prochaine. Bon, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.